Déclare avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en RDC, dans ma famille, dans ma maison, dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN, dans mes gènes, Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. On peut acclamer aussi les milliers qui sont sur YouTube, qui sont sur Power Channel. Soyez bénis. On peut les acclamer très fort. Ils sont en présentiel, en direct surtout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors, on va se déplacer de la salle, saluer 10 personnes et déclarer une bonne parole de bénédiction pour votre frère et votre sœur. Déplacez-vous, cherchez 10 personnes. Je n'ai pas dit 8 personnes, je n'ai pas dit 11 personnes, j'ai dit 10 personnes. Même vous qui êtes en direct, commencez à saluer 10 personnes. Vous êtes sur YouTube précisément et sur Power Channel. Saluez tous ceux qui sont à la maison avec vous et déclarez une parole de bénédiction sur vos frères et sur vos sœurs. Est-ce que c'est 10 personnes? Ah, et qui? T'es l'indimité. Et ça 10? Plus de 10. Papa, vous allez bien? Content de vous voir? Ça va? Je peux vous saluer? Vous allez bien? Je vous ai cherché là, je ne vous ai plus vu. Oui, oui. Mais vous êtes de l'église, quand je ne vous vois pas, je dois vous chercher. 2-3 jours, vous n'étiez pas là? La santé? Un peu, madame. Mais ma fille, laisse la place. On va changer. Maman, venez, venez, venez. Bonsoir, maman, venez. Hé, célibataire. Acclamez-les très fort. Vous allez bien. Soyez bénis. Les enfants vont bien? Les enfants? Bien? Il est où? C'est votre fils? C'est pas vrai. Il s'appelle comment? Grâce. D'autres enfants sont ici? Waouh! On peut les acclamer très fort. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Mettez-vous dans la présence de Dieu. Alors, à partir du vendredi prochain, je vais commencer à prêcher avec interprète. Donc, je prêche français Lingala, vendredi français, dimanche français Lingala. Et bientôt, on aura les deux cultes. On va faire français anglais, premier culte, et français Lingala, deuxième culte. Il semble qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Nous sommes la capitale mondiale de la francophonie, mais l'un des rares pays francophones où les gens n'aiment pas le français. En tout cas, on doit faire un effort. Les Congolais disent toujours, vous les Congolais, là, on aime beaucoup votre pays, mais vous parlez trop Lingala. Faites un effort de parler français. La plupart même de nos comédiens n'ont pas pu percer dans le monde aujourd'hui à cause du fait de faire trop de blagues, mais en Lingala. Et quelques-uns, comme les Ronciers et les autres, ont percé parce qu'ils parlent français. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, on n'entendra pas vos Nayokaki, Nalingio et Salaki, Nazon 1-1. Ils veulent entendre le français. Donc, dis à ton voisin, parlons français. Hein? Et ça, vous dites à tous les voisins, parlons français. Bon, déjà, si le français, tu ne veux pas, l'anglais, tu feras comment?
Le monde aujourd'hui, il est anglophone. Dieu parle en anglais actuellement. Oui, Dieu, quand il parle aux nations, il parle en anglais, pas en français. Donc il faut déjà, si le français, tu ne veux pas français, on est belé, 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 belé. Au 21e siècle. À l'époque de Facebook, à l'époque de... Oh, ma kamdabongo est allé bisauter. Écoute-moi. La plupart des crises qu'on a ici, c'est à cause de l'Ukraine, hein, de la Russie. C'est à cause des guerres qui entre les États-Unis et la Chine. Le monde a changé à cause de Covid. On ne dit pas, ça t'influence jusqu'ici au Congo. Mais ça vient de la Chine. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, mondialisation, globalisation. Dis à ton voisin, parlons français. Ceux de YouTube sont en train de commenter déjà là, je vous vois en esprit. Dis à ton voisin, parlons français. N'a français prophète, mais ça la français ma casse. Dis à ton voisin, Toromesana. Allez, acclamez, on va commencer en français. C'est important. Amen. Quelqu'un est prêt ce soir? Alors, tous les vendredis du mois de mai, je vais vous parler d'un thème très dangereux. 5 manières par lesquelles plusieurs ont vendu leur âme. 5 manières par lesquelles plusieurs personnes ont vendu leur âme. Je répète. Je répète, 5 manières par lesquelles plusieurs ont vendu leur âme. Dis avec moi, 5 manières par lesquelles plusieurs personnes ont vendu leur âme. Amen. Je vous propose quelques textes que nous allons lire ce soir. Lisez avec moi d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18. Partagez déjà Apocalypse chapitre 18. À partir du verset 11. Apocalypse 18, à partir du verset 11. Je vais vous prêcher un message très, très dangereux. Quelqu'un est prêt? Apocalypse combien? 18. À partir du verset 11. Ok. Est-ce que vous y êtes? On va lire. Tu veux lire pour nous? D'accord. Apocalypse 10, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Vas-y même à partir du verset 10. Tout le monde est assis. Restez, ne vous dérangez pas, mettez-vous. Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 10, je lis au nom de Jésus. S'étant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce qu'ils n'achètent plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin, de pourpre, de please. Soie. Reprends le verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, yes. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison de qui? Cargaison d'or. De qui? Cargaison de... De marchands. Ok. Je veux qu'on comprenne d'abord le contexte. Plus, ça va beaucoup nous aider. Lis avec nous verset 9 et puis descend. Suivez bien la lecture, nous qui sommes en présentiel et vous qui êtes en virtuel. On y va. Verset 9. Pasteur Daniel, tu n'as pas de Bible? Allez. Nous lisons. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. On parle de Babylone la grande. Pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement.
Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, des senteurs, de toute voire de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fines farines de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, des corps et d'âmes d'hommes. Attends, répète les deux dernières lignes, pasteur Daniel, viens vite. De chars, des corps et d'âmes d'hommes. Ok. De chars, des corps et d'âmes d'hommes. Ok, on dit quoi? Leur cargaison était faite de quoi? On dit de cannelle, d'aromates, de parfums. Donc dans les cargaisons, il y avait quoi? Des cannelles, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, d'hommes. Donc on parle des marchands, on parle de leur cargaison, on dit de quoi était faite leur composée leur cargaison, on les cite nommément et on dit à l'intérieur là, il y avait aussi les corps des hommes et il y avait les âmes des hommes. Donc les marchands n'étaient pas que les marchands d'or, ils n'étaient pas que les marchands de pourpre, de bois, de senteur, d'ivoire, de pierres précieuses, de cannelle, de myrrhe. On dit aussi, les marchands, ils vendaient les corps des hommes et les âmes des hommes. Quelqu'un a lu ça? Yes. Dis avec moi, les marchands d'âmes et des corps. Encore les et de corps. Et des corps. Dis à ton voisin, il existe des marchands d'âmes. Il existe des marchands d'âmes. Et des marchands de corps. Et des marchands de corps. Dis avec moi, il y a des vendeurs. Il y a les vendeurs. Et des acheteurs. Et des acheteurs. Des membres de corps. Des membres de corps. Et des âmes des hommes. Et des âmes des hommes, yes. Quelqu'un a lu ça? Je vous donne un deuxième texte et on va avancer. Proverbe 4. Je le reçois tout de suite d'ailleurs. Proverbe 4. Avancez déjà. Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Répète encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Français courant dit, avant tout, prends garde à ce que tu prends, même car ta vie en dépend. Une autre version dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Dis avec moi, de ton cœur. De ton cœur. Dépendent les limites de ta vie. On va acclamer très fort et je vais commencer. Amen. Soulevez. Alors, depuis l'année passée, j'enseigne sur l'homme spirituel. Ceux qui peuvent aller sur YouTube, la chaîne Joël Francis Tatou TV. Tapez prophète Joël Francis Tatou, l'homme spirituel, ok? Et vous allez voir beaucoup de choses que je vais expliquer, que j'ai déjà expliqué même la semaine dernière. Alors, j'ai dit au commencement, Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps, ok? Esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu nous sanctifie notre être tout entier, esprit, âme et corps. Dis avec moi, je suis un esprit, j'ai une âme et je suis dans un corps. Répète encore, je suis un esprit, j'ai une âme, je suis dans un corps.
Et je vous avais dit, le mot esprit en grec, c'est le mot pneuma, pneumatique, pneu. Ok? Et ce que j'aime avec le mot pneuma, pneuma ne veut pas dire que souffle ou bien vent. Pneuma veut dire un souffle qui crée un mouvement. Ok? C'est comme quand le vent souffle. Sur votre véranda, le vent a soufflé, mais il a emmené aussi les papiers à se lever. Quand le vent souffle sur les arbres, le vent a soufflé, mais les feuilles de l'arbre se sont aussi soulevées. Donc c'est un vent qui souffle et qui apporte aussi un mouvement. Amen. Que le Saint-Esprit qui souffle t'amène aussi un mouvement. Alors c'est le mot pneuma, le mot âme, baisse un peu le son. Le mot âme, c'est le mot psyché. Psyché, psyché, psychologique, psychiatre, psychologue, psyché. Ok? Et le mot corps, en grec, c'est le mot. C'est le mot soma, soma, psyché, soma, psychosomatique. Donc pneuma, psyché, soma. En hébreu, c'est le mot ruach, souffle, esprit. Âme, c'est le mot nefesh. Et ici, c'est le mot adama. Alors, au commencement, Dieu a créé l'esprit de l'homme dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 2, Dieu forme Adam, il forme le corps de l'homme, ok, avec la poussière de la terre, l'argile. Adam veut dire rouge, ou bien argile, ou bien terre, ok. Et c'est comme, et lorsque Dieu prend l'esprit de l'homme, il le souffle dans le corps, on dit l'homme devint une âme vivante, ok. Lorsque l'âme a été créée, c'est de la fusion de l'esprit et du corps. Écoutez-moi, en tout cas, il faut que tu m'écoutes d'abord ici. Amen, amen. Dieu a créé l'esprit parce que l'homme est esprit comme Dieu, à son image, à sa ressemblance. Dieu a créé le corps, ok, le corps de l'homme, de la poussière de la terre. Et Dieu a mis l'esprit dans le corps et ça a engendré l'âme. Donc l'âme est la fusion de l'esprit et du corps, ok. Mais l'âme est la déclaration de l'être de l'homme. L'esprit existait, le corps avait existé, mais l'âme est venue après et l'homme devint une âme vivante. L'âme a le meilleur de l'esprit et a le meilleur du corps. Déjà Adam, le corps que Dieu avait utilisé pour créer Adam n'était pas la terre, n'était pas une terre souillée. La terre a été souillée lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Plus tard, quand Caïn a encore versé frère, la terre a été encore souillée. Et jusqu'à aujourd'hui, la terre est souillée encore et encore. C'est comme ça qu'il y a des problèmes des érosions, il y a des problèmes de tremblements de terre. Au fait, chaque fois qu'il y a des problèmes écologiques, c'est à cause du péché de l'homme. Et si j'aimerais dire à tous les gouvernements du monde qui parlent de réchauffement climatique, de péché, le plus grand problème de la terre n'est pas la démographie. Le plus grand problème de la terre, c'est le péché des hommes. C'est le péché qui crée toutes les catastrophes que l'on a. Oui, parce que la terre est la création de Dieu. Car le sang qui coule, le sang qui coule, le sang qui coule, le sang là dans la terre demande vengeance, 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 vengeance. Quelqu'un m'entend? Imaginez-vous aujourd'hui, il y a un génocide silencieux qui se passe dans le monde. On parle du génocide qu'il y a eu au Rwanda, au Burundi, au Congo, à l'Est. On parle des génocides qu'il y a eu, on parle de l'Holocauste. Avec les juifs à l'époque d'Adolf Hitler. Mais on ne parle pas des avortements silencieux qui ont lieu chaque année avec l'avortement. Plus de 5 millions d'enfants avortés. Imaginez-vous un peu. Et plusieurs gouvernements du monde entier sont en train de valider l'avortement, de défendre cela. Et même autour des grandes élections présidentielles que tu prennes aux États-Unis, surtout aux États-Unis, c'est une grande question de débat. Ceux qui sont pro-life ou ceux qui ne sont pas pro-life. Les uns vont vous dire comme les camps des... On peut avorter sans problème. Donald Trump était pour une autre manière de voir les choses. Donc ce ne sont pas des petits débats. Et nous, nous croyons que dès que la vie est formée, quelque chose est en train de commencer. Quelqu'un m'entend? La vie a commencé. L'enfant déjà existe. La vie est déjà là. Et chaque fois que la terre, on tue des gens, il y a le sang qui coule innocemment, il y a des péchés qui se passent sur la terre, un jour, Dieu va juger, cette terre va disparaître parce que quelqu'un m'entend? Mais l'homme qui avait été créé au commencement, la terre là qu'on avait utilisée là, c'était une terre spéciale.
Il y avait tous les minéraux dedans, il y avait la pureté, tout était pur. L'esprit pur, la fusion, on crée ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme est invisible comme l'esprit et l'âme est proche du monde comme le corps. Quelqu'un dit, je suis une âme. Et vous devez le savoir, votre âme, c'est là où se trouve votre moi. Donc ce que tu es là, c'est ce qui est ici. Je t'explique. L'esprit, l'âme et le corps, c'est comme une voiture. Tu as une voiture qu'on appelle la carrosserie, n'est-ce pas? Tout ce que tu vois là, on appelle la carrosserie. Là où le chauffeur se tient, il y a un siège où le pilote se tient, n'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle le volant. Ok. La carrosserie de la voiture de ta vie, c'est le corps. Quelqu'un m'entend? Le volant de ta vie, c'est l'âme. Et le chauffeur doit être l'esprit. Ah, tu n'as pas compris. Dans une voiture, le corps ne va nulle part, si ce n'est là où l'âme l'a emmené. Oui, parce que c'est là où il y a tes émotions, il y a ton intelligence, il y a tes sentiments, il y a ta mémoire, il y a tout, ta volonté, tout est là. Ton siège de décision, de commandement, c'est ici. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu te dis, je saute, j'ai pensé sauter et mon corps a exécuté. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais l'âme ne prend pas de décision seule. L'élément final qui prend la décision, c'est l'esprit. C'est soit c'est ton esprit, soit c'est l'esprit de Dieu, ou soit même ce sont les esprits mauvais. C'est là que tu vois quelqu'un dit, je ne voulais pas, puis quelque chose m'a poussé. C'est là qu'il faut dire aux esprits de quitter. Beaucoup de chrétiens pensent que les gens sont seulement possédés dans leur corps. Non, la possession peut aussi avoir lieu dans l'âme. Oui. Dis amen bien. Voilà pourquoi, qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est l'homme dont l'esprit est tellement fort qu'il domine l'âme et qui donne une direction au corps. L'homme spirituel, c'est qui? C'est l'homme dont le corps ne fait rien, n'a pas été orienté par l'âme qui est contrôlée par l'esprit. L'homme spirituel, c'est celui dont l'esprit... En fait, l'homme spirituel, c'est celui qui rentre au jardin d'Éden. Il est esprit, âme et corps. Il n'est pas corps, âme, esprit. Il n'est pas dirigé par son corps, ni par son âme, mais d'abord par les désirs de l'esprit. Mais avant toute chose, le siège de ta personne, c'est ton âme. Dis avec moi, mon âme, c'est le siège de ma personne. Et quand l'homme meurt, l'esprit rentre à Dieu. Le corps rentre à la terre. Mais c'est l'âme qui continue le voyage. Dis avec moi, l'âme continue le voyage. Il y a des âmes qui vont auprès du Seigneur. Il y a des âmes qui vont déjà en train de souffrir avant l'enfer. Il y a des âmes qui continuent à errer là où le corps est mort. Il y a des âmes qui cherchent où est-ce qu'elles vont partir après la mort. Il y a plusieurs tendances qui croient que 40 jours après la mort d'un homme, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel autour de son âme. La preuve, que ce soit les Juifs ou les Africains, nous pleurons nos morts pendant 40 jours. Et c'est au 40e jour que nous enlevons les piliers et que nous reprenons la vie normale. C'est comme si on dit, maintenant c'est fini. Il peut partir. Et pourtant, on l'a enterré. Mais on n'arrête pas de pleurer parce qu'on l'a enterré. On continue à porter le deuil jusqu'au 40e jour. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Jésus est allé au ciel le 40e jour? Est-ce que ce n'est peut-être pas à cause de ça que malgré que Jésus était mort et ressuscité, il était encore sur la terre? Jésus a connu l'ascension. Après, Actes chapitre 1, verset 1, 2, 3. Durant 40 jours, il les a enseignés les choses concernant le royaume. Après 10 jours des 40 jours, c'était 50 jours la Pentecôte et puis l'Esprit est venu. Donc quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je laisse mon esprit. Pourquoi Jésus a dit entre tes mains? Ça ne veut pas dire que Satan pouvait prendre son esprit, mais ça veut dire, Jésus n'a pas attendu qu'un prêtre catholique vienne faire les cérémonies pour orienter son esprit. Jésus, déjà, avant de partir, je te donne mon esprit. Papa, quand quelqu'un meurt, son esprit peut être pris.
son homme spirituel. Son âme peut être prise. On peut prendre son esprit. On peut voler l'esprit de quelqu'un. Vous vous êtes allé enterrer quelqu'un, mais après l'enterrement, il y a des gens qui viennent trafiquer l'esprit de quelqu'un. Utiliser son âme. Travailler avec ça. D'autres même, vous l'avez enterré. Quand vous rentrez, le lendemain, tu passes à côté de l'échangeur. Tu vois la personne que vous avez enterrée hier, là-bas. Il ne se rappelle même plus de ce qui s'était passé. Tu dis, Esaïe, tout Esaïe était. Mais c'est lui. Le monde est plus spirituel que naturel. Voilà pourquoi tu dois connaître la délivrance. Tu dois connaître le combat spirituel. Tu dois comprendre la spiritualité. Il y a même des âmes dans le monde des ténèbres, dans les enfers. On peut prendre l'âme de quelqu'un. On emmène cette âme à devenir ce qu'on appelle une âme ascensionnée. J'en parlerai la prochaine fois. Ça, c'est peut-être sur Zoom seulement, parce que c'est des choses dangereuses. L'âme de quelqu'un peut devenir une entité spirituelle dans le monde spirituel, comme un esprit qui est comme un Dieu qu'on adore et qu'on vénère. Oui. Que tu le veuilles ou pas, une personne comme Salomon, Salomon dans le monde spirituel, même astral, c'est une tête. Tout ce qui a un lien avec la franc-maçonnerie, avec tout ce qui a un lien au culte, ce qui est oriental, a un lien avec Salomon. Ici, nous les Africains, les Noirs, je ne donnerai pas le nom, pour ne pas créer des problèmes. Vous allez voir, parler l'esprit d'un homme qui était un prophète. Pas. Les gens vont l'invoquer. Des fois, c'est l'âme de la personne, des fois, c'est la falsification, ok? Parce que dans le monde astral, il y a aussi une autre Marie, il y a aussi un autre Jésus, il y a aussi un autre Pierre, un autre Paul. Dans le monde là, il falsifie tout ce qui est vrai ici, ça se trouve là-bas aussi. Et l'âme, mais l'âme, c'est l'intersection du monde spirituel et du monde physique. Voilà pourquoi ça a de la valeur. Dieu a les réalités invisibles et les réalités visibles dans une dimension de l'être qu'on appelle l'âme. Qui là-bas sauvera l'IACE? Tout ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit, l'esprit venait de Dieu directement. Le corps venait de la terre, tous les mystères que Dieu a mis dans la terre. Donc l'âme est le meilleur. On a pris le meilleur du corps, du monde physique, le meilleur du monde spirituel, on l'a mis dans la... Voilà pourquoi Jésus est mort pour nos âmes. Et nous ne sommes pas les gagnants des esprits d'âme. C'est l'âme qui contient le monde matériel et le monde spirituel. C'est l'âme. Autre chose que j'ai dit, maintenant je vais décoller. L'âme se trouve où? Dans l'être humain. Je vous ai maintenant dit que l'âme d'un homme se trouve dans son sang. Lévitique. Et le sang, quoi? Par le cœur. Voilà pourquoi je vous donne le conseil, gardez bien vos cœurs. Je ne parle pas ici du cœur des sentiments, du côté moral de l'être humain. Je parle du cœur. Dis avec moi mon théma. Dis avec moi ton cœur. Dis avec moi le muscle là, le muscle. Garde-le bien. Quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, on ne parle pas que de ton cœur comme ton âme, parce que dans la Bible, des fois, le cœur veut dire l'âme, des fois, le cœur veut dire l'esprit, des fois, le cœur veut dire la dimension spirituelle de ta personne ou l'homme intérieur. Je répète, des fois, dans la Bible, le mot cœur veut dire âme, des fois, cœur veut dire esprit, des fois, cœur veut dire homme intérieur. Quelqu'un me comprend? Mais cœur, ça veut dire aussi le cœur là que tu as, le cœur. Le cœur que tu as ici là. Tu dois garder ça. Si ton cœur est malade, le sang ne circulera pas bien et tu as beaucoup de risques de piquer des crises, crises cardiaques, ton cœur s'arrête, le sang arrête de tourner et tu vas rendre l'âme, tu vas mourir. Dis à ton voisin, prends soin de ton cœur. À cause de ça, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau et quand tu as des problèmes, mets tes problèmes dans la tête et pas dans le cœur. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, mets les problèmes dans la tête et pas dans le cœur. Change de voisin, dit, mets tes problèmes dans la tête et non dans le cœur. Amen. Dis à ton voisin, plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent, c'est de lui, hein,
un cœur. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc tout se passe ici. C'est le cœur qui gère l'âme. Le cœur est connecté à l'âme. L'âme est connectée au sang. Quand tu n'as plus de sang, tu n'as plus d'âme. Parce que tu es mort. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, lorsqu'on dit, on a besoin du sang, dans le monde des ténèbres, on a en fait besoin de l'âme. Qu'est-ce qui couvrait le péché d'Israël? Ce n'était pas le sang des animaux, mais c'était l'âme des animaux. Parce que l'âme a une puissance terrible. Dans le monde spirituel, l'âme coûte cher. Mais l'âme, le prix de l'âme est déterminé par la qualité du sang. Parce que l'âme est développée en fonction de l'âge du sang. Par exemple, le sang d'un bébé embryon n'a pas la même valeur que le sang d'une femme vierge. Le sang d'une femme vierge n'a pas la même valeur que le sang d'un vieillard. Pourquoi? Parce que l'âme d'un vieillard n'a pas la même qualité que l'âme d'une vierge. L'âme d'une vierge n'a pas le même prix que l'âme d'un embryon. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas en fait les différents types de sang, mais c'est les différents types d'âme qu'il y a dans le sang. L'enfant qui n'est pas encore né, son âme a une valeur spirituelle. Quelqu'un me comprend? Le sang, la variaseke, d'un adolescent entre 15 ans et 18-19 ans a une autre valeur spirituelle. Le sang d'un jeune qui a 40 ans, vers ces âges-là, son sang a une autre valeur parce que son âme a décidé, a voulu, a accepté, a contracté les esprits, a été en contact. Donc son âme n'a plus le même état que l'âme quand il était embryon. Donc le sang qui garde l'âme n'est plus le même. Une petite fille qui s'appelle Abigail, on a déjà donné le nom avant qu'elle ne naisse. Son âme dans le ventre de maman n'a pas la même valeur que quand elle a 31 ans et elle est encore vierge. Quelqu'un peut faire l'avortement et obtenir un certain pouvoir. Et quelqu'un peut aussi dévierger une jeune femme comme ça à 31 ans. Son pouvoir aura aussi un autre niveau. Parce que ce n'est pas d'abord le sang selon l'âge de la personne, mais c'est l'âme qui a dans le sang, qui a un autre poids. On peut être 10 dans la famille. Si on sacrifie le troisième dans le monde spirituel, ça peut t'emmener à être peut-être capitaine. Mais si on sacrifie l'aîné ou on sacrifie le cadet, ça a une autre valeur. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Le problème, ce n'est pas, oh non, c'est le sang. Ce n'est pas le sang, en fait. C'est l'âme qu'il y a dans le sang. La valeur du sang, c'est l'âme qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi vous devez faire attention au sang. Que Dieu te donne un pédiatre qu'il faut, un gynécologue qu'il faut. Remarquez bien, les occultistes aiment beaucoup les mathématiques, la polytechnique. Vous ne le verrez pas beaucoup dans le domaine des littéraires, tout ça. Ils aiment tout ce qui fait travailler le cerveau. Polytechnique, physique quantique. Vous savez, hein? Les sciences, exact. Vous le verrez beaucoup dans ce domaine-là. Et vous, les chrétiens, on vous dit, Satan aime avoir l'élite et il vous laisse les pauvres. Il vous laisse les parleurs. Mais là où on travaille le cerveau, c'est là où Satan est. Vous allez voir beaucoup dans la médecine. Beaucoup de. Que ce soit l'université de Kinshasa. Je ne me tais pas. Même à l'UPC, partout ici. Vous allez voir la plupart de ces gens-là. Là où on parle du corps, on parle du sang, on parle du cœur. On parle. Papa, ils sont très nombreux là-bas. Très nombreux. Beaucoup de. Je vous dis, je ne mâche pas les mots. Beaucoup de médecins que nous avons en Afrique ici sont ici et là. Parce qu'à un certain niveau initiatique, on aura besoin. Tu flirtes avec la mort, les cadavres.
On n'a plus peur de la mort. Un homme qui n'a pas peur d'un cadavre n'aura pas peur de dormir au cimetière. Un homme qui n'a pas peur de laver un corps n'aura pas peur de prendre cette eau, de mettre ça dans les beignets. Quelqu'un me comprend? On va vous enlever là, parce que Satan aime prendre ceux qui sont prédisposés à ne pas avoir peur de la mort. Parce que le plus grand ennemi de ce n'est pas la mer, ce n'est pas dans les cieux. Il est écrit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Jésus, pour nous donner le salut, il a dû mourir, aller au séjour des morts. Pas blaguer avec la mort. Partout où il y a la mort, les occultistes aiment là. Quelqu'un me comprend? Est-ce que... On a dans les cimetières ici beaucoup de gens. Ils payent, ils entrent, ils payent, ils entrent, ils payent, ils entrent. Ils vont faire des choses, des jolies filles, des... Il y a quelqu'un qui me racontait un témoignage dernièrement, une belle femme au cimetière. Papa, elle dépose la voiture, on la dépose, elle part, 4h du matin, elle sort là. Toi, tu te dis, eh. Et puis tu pars, tu dors avec elle. Tu ne sais pas là où elle a dormi avant la nuit, où vous avez dormi ensemble. Le monde n'est pas ce qu'il paraît être. On est dans un monde bizarre. Et tout ça, le sang. Qui sont les plus habitués au sang si ce ne sont pas les médecins? On s'est un peu coupé, un peu la dent, un peu blessure, hémorragie, grossesse, tout ça. Et les occultistes aiment beau. Écoute, est-ce que je peux parler ici? Les occultistes aiment beaucoup ce domaine-là. Parce que là, on peut prendre le sang de quelqu'un. Là, on peut prendre les pertes blanches d'une femme. Voilà pourquoi, excusez-moi, vraiment, en tout cas, ce n'est pas bien ce que je veux dire. Mais s'il vous plaît, quand vous avez vos menstruations, veuillez alors vous jeter vos bandes géniques. Il y en a qui jettent ça partout. Donc, aux ans, nous aurons encore boire, encore n'importe où, boire qui carabou. Oyebite Batova, tu ne connais pas ceux qui vivent dans la même parcelle que toi. Tu ne connais pas ceux qui sont avec toi. Est-ce que tu. Il y a une histoire au Canada ici. Des sorciers qui sont au niveau de Kananga ont coopéré avec des sorciers qui sont au Canada. On a appelé un occultiste. Il a déménagé de là où il était. Il est allé à Montréal, dans la même ville que se trouvait la personne qu'on devait attaquer. Ils ont cherché un appartement dans le même immeuble. Donc toi, tu te dis, on a un nouveau voisin juste à côté. Tu trouves ça normal. Il n'y a rien de normal sur la terre. Dans le monde des ténèbres, on peut t'organiser des événements. Tu dis, on a un nouveau voisin, mais tu ne sais pas que c'est une sorcière. Elle entrera chez toi quand ta femme ne sera pas là. Pas de Montréal, ça vient de Kananga. Parce que le monde spirituel est organisé. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Dis à ton voisin, deviens un esprit. Tu sais, hein, je prie dans cette église que tu sois un esprit. Je dis, je prie que tu sois un esprit. Là, font la parenthèse, là, quand la parenthèse, là. Il y a quelqu'un pour qui j'ai prophétisé ici dernièrement, mais l'erreur que j'avais faite une fois de plus, bien que je ne le fais plus, c'est de donner l'adresse exacte des gens. OK? Même le numéro. Alors, quand on révèle quelque chose de dangereux, on donne encore le numéro, les ennemis vont aller là-bas, des fois les voisins auront une mauvaise image de la famille. Alors, quelques personnes de la famille étaient venues ici, comme pour vous la menacer. Dis à ton voisin, deviens un esprit. Pasteur Daniel se rappelle ici. J'étais à la maison, la voix de Dieu m'a dit, prends autorité sur ces personnes. Prends autorité. Un est venu là-bas, j'ai dit, toi, tu t'appelles tel. Maman s'appelle tel. Papa s'appelle tel. D'ailleurs, tu étais dans tel pays. On t'a chassé de ce pays-là. Non. Toi, derrière là où tu es, toi aussi à côté. Il commence à tomber comme ça. J'ai dit, tout ce que j'ai dit est vrai. Je ne retirerai pas mes paroles. Et si vous êtes intelligent, Dieu a utilisé le cas de votre frère pour délivrer toute votre famille. Si vous voulez être délivré, utilisez son cas là. Venez-vous tous ici, on va tous vous délivrer. Et après c'était non, moi un peu, son abisso, t'es à la caca. Personne ne doit te dominer. Que l'esprit supérieur soit sur toi.
Il y a des gens comme ça, on sait que, écoute-moi, il y a des gens qui n'ont jamais été envoûtés ou manipulés spirituellement. Pas parce qu'ils prient beaucoup. Tu me comprends? Pas parce qu'ils prient beaucoup, ils prient même pas. Mais les sorciers vont dire, on a envoûté Gelor, on a envoûté Papi. Mais mamie, on n'a pas compris. Azamakila Makas. C'est l'âme de la personne qui est solide. C'est la dimension spirituelle. Ah, je prie pour toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un esprit supérieur. Personne ne boira ton sang. Personne n'utilisera ton sang. Personne ne manipulera tes pensées. Ne manipulera ton âme. Au nom de... La ke male zoprari pale ki maze falonde ila prate yaze. Commence à prier en langue si tu pries en langue. Juste une minute et puis je vais continuer. L'esprit prophétique est très fort sur moi. La rakaya va sante. Gloria à la gloire va se. Chaka la brahim telegla. La raiva gloria haza. Me gloria i gloria pasekleya. Ashabra ke palavaso. Mladi gloria i vala. Ante brakle valo ki laidega. La ramia so sake. Shabra pe vaka. Anta rape veke la glo. Asanta le brakiva. Alalia kora imbraho. Asim brakim palekla. Lonte le valabra i glora bate. Calabra imbalo santa. Esha pala anta brake vala roite iloria ka e plazim brainta la glo anta la rahuse. Avant que je continue mon message, il est écrit, celui qui prie en langue s'édifie. Édifier, c'est construire, bâtir, solidifier. C'est des fois dans la vie, tu as besoin que ton homme intérieur soit solidifié. Quand le français ne passe pas, l'anglais ne passe pas, hein? Le lingala ne passe pas, le swahili ne passe pas, le fan ne passe pas. Parle en langue. Rekabazovralie. Lizi falo karaba. Aucun mal n'arrivera à l'un de mes fils, à l'une de mes filles de l'église. Yes. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun, je dis aucun mal. Yes. Personne sous mon onction ne mourra avant son temps. Personne. Personne sous mon autorité spirituelle ne sera sacrifié par des acheteurs. Yes. Allez, commence à prier en langue. Battez les mains, prier en langue. La Santa Legra, Ilori Halahata, Eklora Imbla Vidiaka, La Santa Levaloria Mate. Kula rai kala palace, lampa ve gloria ante le ga, a chakle pale gloria ha, a santa la brakle valaso, mande blai de cola cleva, la raminda la gloria vale ga, a zim pale va kayabata, chaprai de ga, lante le braiata, e kala brai ke lo gla, la place inteleva, ante le gloria pale ga, a Sante le valakia, anta la valeva, elora i glaide la, a sante vaclo, a laide calaide ha, a sante vacayaba, a shariaka, anta le valabrai, ante vacosita, shapapapa. Viclaria. Alla sante le vaya bababa, shate le clavante, ulla rai clova inta, e santa vica i de go, ampa vec. Allo si fai de ga, lo si fate, i pave calabla, e calabayaba, e santa la ca, e sharabayata, e loria caraba, e lora inte, shaya. Amen. Yes, acclamez très fort, acclamez très fort. Asseyez-vous, je vais continuer mon message. Merci, mettez-vous. Alors, je vous ai dit ici que
L'âme a une grande valeur dans le monde spirituel. Ce n'est pas que le sang. C'est à vrai dire l'âme, merci mes fils. Ce n'est pas le sang, à vrai dire, c'est l'âme qu'il y a dans le sang qui donne de la valeur au sang. Ça, je vais expliquer ça avec le temps. Alors, dans le texte que nous venons de lire dans l'Apocalypse, on nous parle de la chute de Babylone. Je n'ai pas le temps de parler de Babylone. Mais tout ce que je veux dire, Babylone, c'est le système satanique de l'ennemi. De la même manière que Jésus a un corps dont lui, il est la tête, Satan a aussi un corps dont lui, il est la tête. Et le corps de Jésus s'appelle Église. Le corps de Satan s'appelle Babylone. Amen. Je répète. Jésus a un corps dont il est la tête. Quelqu'un m'entend? Jésus a dit que les renards, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. Il ne parlait pas d'une maison, Jésus en avait. Partout où Jésus allait, il avait où dormir. Mais quand Jésus disait que lui, il n'a pas un lieu où poser sa tête, lui, il est la tête du corps. Il disait seulement en ce temps-là, je n'ai pas encore eu un corps où je poserai ma tête. Comment? Dans Colossiens, Paul parle de Jésus comme étant de la tête de l'Église. Et dans Éphésiens, il parle de l'Église comme étant du corps du Christ. Et quand tu prends Colossiens et Éphésiens, tu as Jésus en entier, la tête et le corps qui est l'Église. Quelqu'un m'entend? Satan aussi, il est la tête. Et le corps de Satan, c'est ce qu'on appelle Babylone. Babylone, la grande. Ce n'est pas Rome. Ce n'est pas l'Église catholique. Beaucoup de gens ont une Babylone est étendue dans le monde entier. C'est le système par lequel Satan passe. De la même manière que la tête réfléchit pour orienter le corps, Jésus est la tête, il oriente ses plans, il s'exprime par l'Église. Satan aussi est la tête, il s'exprime par Babylone. Et le système de l'Église est partout. On a un président chrétien, on a la prière à la présidence, on en a à la douane, on en a à la police, on en a au gouvernement, on en a au parlement, nous en avons au Sénat, nous en avons chez les militaires, nous en avons à la régie des eaux, à la SNEL, il y a même les SNEL pour Christ, et ainsi de suite. Dans toutes les sphères, il y a les chrétiens, les saints, les membres du corps du Christ dont il est la tête. Dans le camp de Satan aussi, il est la tête, il a aussi son corps. Ils sont au Sénat, ils sont au Parlement, ils sont à Abu Dhabi, ils sont à Dubaï, ils sont partout. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors, il arrivera un temps où l'Église de Jésus sera enlevée. Le corps partira. Mais sur la terre, le corps de Satan va dominer, va s'étendre au point où de ce corps-là sortira. Celui qu'on appellera Apocalypse 13, on parlera de l'Antichrist, le fils, le mystère de l'iniquité. Donc tout ce dans le système là de Satan qui est son corps, son moyen d'expression. Amen, amen. On dit à un moment là, qu'est-ce qui va se passer? Babylone va chuter, Dieu va juger, c'est l'image d'une femme. Et plus loin, on dit même que les gens qui travaillent dans ce système là, ceux qui étaient des marchands. Déjà, retenez ceci. Qui est un marchand? Par définition, un marchand est un commerçant qui vend des marchandises. Dis avec moi. Dis avec moi. Un marchand est un commerçant qui vend des marchandises. Plus fort, dis avec moi. Un marchand est un commerçant qui vend des marchandises. Plus fort, dis avec moi. Un marchand est un commerçant qui vend des marchandises. Dis à tous les voisins autour de toi, dis un marchand, c'est un commerçant qui vend des marchandises. Ok, des fois c'est en gros, c'est un grossiste, des fois c'est un détaillant, c'est en détail qu'ils vendent. Mais si on dit qu'il y a des marchands, ils avaient des cargaisons, et de leur cargaison, ils vendaient la plupart des articles que nous connaissons, la marchandise que nous connaissons. Ils vendaient de l'argent, des pierres précieuses, des perles, des fins lin, de la pourpre, de la soie, de l'écarlate, toute espèce de bois, de senteur, d'espèces d'ivoire, d'objets de bois très précieux, des reins, de fins,
arbres qu'on utilise pour la construction, pour la cosmétique, pour la vestimentation, pour tous les domaines. Pour le domaine des parfums. Et on dit, ils avaient même des bœufs, du blé, des brebis, des chars. Et dans leurs marchandises, parmi leurs marchandises, ils avaient aussi des marchandises qu'on appelle des âmes. Ils avaient aussi des marchandises qu'on appelait les corps des hommes. Donc ces marchands-là avaient une marchandise physique, une marchandise matérielle et une marchandise métaphysique, une marchandise spirituelle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des marchands qui vendent des corps. Ici, je ne parle pas de ce qu'on voit dans certaines morgues, où des fois, certains vendent des foies, ils vendent des estomacs, des intestins, ils vendent des cœurs. Ok? Vous allez enterrer quelqu'un, mais si les médecins sont sensibles, vous allez voir, on a tout enlevé. On a vendu ça à qui? Il y a des gens qui prennent ça pour des rituels sataniques, diaboliques, démoniaques. D'autres vendent ça pour des expériences scientifiques. Il y a plusieurs raisons, mais surtout spirituelles, diaboliques. D'autres mangent ça, d'autres, on te dit, tu dois manger. Et tu vas vers le gardien de la morgue. J'ai besoin de manger le cœur d'un enfant entre 15 ans et 17 ans. Pas plus. Et lui, comme il a la liste, il va chercher un garçon qui est mort entre aujourd'hui et 7 jours. On exige. Et il prend ça, il amène ça et il mange le cœur. Oui, ça se vend et c'est cher. À Abidjan, pardon, j'étais au Gabon. Dans une ville qu'on appelle Franceville, avec Christian qui m'y a accompagné. J'ai fait un travail durant 3 jours. Le 3e jour, les instruments grillés, on a amené les instruments, ça grillait. J'ai dit non, moi je suis un esprit. Beaucoup de pasteurs étaient derrière moi. J'ai dit amenez-moi les sourds. Je voulais faire un spectacle. Les sourds sont venus. J'ai commencé à ouvrir les oreilles des sourds. Pa, pa, pa. Les pasteurs criaient, la foule commençait à crier. En attendant que les instruments allument. Et quand ça s'est allumé, j'ai commencé à prophétiser sur Franceville. J'ai parlé de l'ancien, je crois, maire, ou j'ai parlé des détails qu'il y avait. Et j'ai dit, c'est les sorciers qui ont fait ça. D'ailleurs, il y a une forêt. J'ai commencé à expliquer le lieu de la forêt. Parce que mon esprit était là où la forêt était. C'est après qu'on m'a dit, dans cette forêt-là, on enlève des enfants. On peut prendre un enfant, on emmène là-bas des sacrifices humains. Et vous ne pouvez pas vous plaindre auprès de l'État. Parce que même les autres, certaines autorités sont dans ces choses-là. Il y avait même une autorité de cette forêt-là en question. J'ai l'un de mes fils qui est au Gabon, qui me suit, il s'appelle Titiane. Avec Christian, j'ai dit, je vais aller prier pour la forêt-là aujourd'hui. Comme territorial commanda. Je ne suis pas un capitaine, je suis un général. Et un général sait généraliser. Le règne de Jésus ne sera pas ici seulement. Je vais généraliser le règne de Jésus sur tout Franceville. Forêt sacrée là, on va y aller. Les Paribasova. Et c'est pas seulement une. Mais c'est comme traverser par une rivière. Ceux de Gabon, Franceville le savent. Minuit presque, je suis allé avec Christian. J'ai dit, emmenez-moi une bouteille d'huile. Papa, tu arrives quelque part pour prier, tu sens Soukignon, Sanzo, Tetelemi. Soukete, au passement, ben, Soukassama, Sassama. Donc, Soukete, donc, tu es là. Tu n'as pas papa, pas maman. Ton père spirituel n'est pas là. Tes amis ne sont pas là. Tes intercesseurs, tu n'as pas le temps de les prévenir. Tu sais, hein, il y a des combats dans lesquels tu dois invoquer ton Dieu. Donc quand tu dis le Dieu de mon père Joël Francis, ce Dieu-là a une alliance avec un homme. Je peux être ici. Mes pères spirituels sont ici. Je peux faire des miracles sans invoquer leur Dieu. Parce que le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est devenu aussi le Dieu de Jacob. Donc, je suis capable de là où je suis, moi-même invoquer mon Dieu. Parce que je ne l'ai pas connu que par eux. J'ai eu moi-même aussi une expérience. Telos Born a vu Jésus par Branham. Mais à un moment, lui-même, il a vu Jésus.
démontrer Jésus qu'il a rencontré lui-même. Voilà pourquoi la force de la vie chrétienne, ce sont les témoignages. Et pour les témoignages, tu dois avoir des problèmes. Il n'y a pas de témoignage sans problème. Il faut que tu connaisses des choses toi-même, que tu vas résoudre toi-même avec Dieu. Des fois, tu attendras Pierre, Jean et Jacques. Ils vont dormir, ils ne seront pas pour toi. Quand on est face à la décision du destin, même tes intercesseurs vont dormir. Toi-même, tu vas te dire, toi, le Dieu qu'on m'a enseigné là, je veux te voir ici. Je veux que tu entendes ma voix. Tout ce que j'ai dit ici, que tu le fasses. Et tu vas le faire. Le Gabon est l'un des pays les plus spirituels du monde. Je répète, c'est l'un des pays les plus spirituels d'Afrique même. S'il y a 5 pays les plus spirituels, le Gabon est entre peut-être les 3 premiers. Le Gabon. Capitaine Cousteau est allé au Gabon là-bas. Il a vu dans les eaux de l'océan des choses. Il a écrit au pape. Capitaine Cousteau, Odyssée sous-marine. Pas n'importe quel pays, c'est un pays, petit pays, mais spirituel. Les esprits qu'il y a au Gabon, tu ne peux même pas imaginer. Carabassé. J'étais là, j'ai dit, ah non. Un Dieu. Je l'ai vu au Rwanda. Je l'ai vu au Burundi. Je l'ai vu au Katanga. Je l'ai vu à Kinshasa. Je l'ai vu à Uvira, à Goma, à Bukavu. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu au Burkina Faso. Là, il y a des magiciens. Je l'ai vu là-bas. J'ai pris la bouteille. Les parasa. La nuit. Les grenouilles ici. La nuit. La rivière. Et on te dit, c'est une forêt sacrée. Les gens entrent là-bas, ils disparaissent. On amène des corps là-bas, on sacrifie des gens. J'ai pris l'huile. Et j'ai commencé à me présenter. Frère. Il y a un moment où ton nom deviendra un code dans le monde spirituel. Oui. Jésus s'appelait déjà Jésus, mais pourquoi on a reçu le nom au-dessus d'eux? Il lui a été donné le nom, papa. Jésus avait porté ce nom durant 33 ans. Et le nom de Jésus, d'autres juifs s'appelaient aussi Jésus. Il y avait le bar Jésus. Ce n'était pas un nom spécial. Beaucoup de juifs s'appelaient Jésus à l'époque. Alors pourquoi on dit il est obéissant à la mort, à la mort, au-dessus de tous les noms? Parce que c'est un nom que tout le monde connaît. Dans ce nom-là, à cause de ce qu'il a traversé, pas riba, à cause des épreuves qu'il a traversées avec ce nom, il est allé dans les séjours des morts. Il est sorti. Tu as dit non. Ce nom ne sera plus un nom ordinaire. Je vais mettre un pouvoir dans ce nom. Tous genoux dans les cieux, sur la terre et sur la terre, vont fléchir devant ce nom. Je ne fais pas de l'idolâtrie ici, Dieu m'est témoin. Mais il y a des noms des hommes qui deviennent des codes. Dans le monde spirituel, Napoléon est un code. Parce que c'est une âme ascensionnée. Salomon est un code. Maître Salomon, ils vont faire des incantations en parlant de Salomon. Beaucoup de noms, Maître Pythagore. Papa, les démons ont dit nous connaissons Paul. Donc, il connaît. Papa, il arrivera un temps où ton nom fera fuir les démons. Benson Idaosa au Nigeria. Il prend ses cassettes vidéo. Il dit, allez mettre ça comme à la RTNC. Allez mettre. Ils vont mettre là-bas. On dit, on prend sans argent. Allez diffuser mes vidéos. La dame là a dit, jamais de la vie. Elle a renvoyé. Il dit, va lui dire que c'est Benson. Qu'elle fasse passer ça à la RTNC. La femme dit, il doit donner l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. S'il faut la grille des programmes, elle renvoie. Idaosa a dit, d'accord. C'est Idaosa qui a parlé. C'est fini. 2 semaines après, elle a quitté le travail. Il n'a appelé personne au téléphone. Parce qu'il est devenu une autorité dans le monde. Que Dieu fasse de toi une autorité spirituelle. Ah ben, j'ai pris la bouteille d'huile.
des vins. J'ai pris la bouteille d'huile. J'ai dit, je m'appelle Joël Francis Tatumundala, fils de René Tatulong Wakabole et de Béatrice Ekanganiwa. Fils spirituel de, j'ai commencé à appeler mon père spirituel, de la lignée de, je suis allé jusqu'à Heidi Nabala, jusqu'à Simon Kimbang. Quelqu'un m'entend? Et j'ai dit, je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchisède. Terre, écoute-moi. Monde marin, écoutez-moi. Monde forestier, écoutez-moi. Je parle avec l'huile et j'ordonne. J'ai commencé à parler et je suis entré dans la langue de chez nous, la langue maternelle, qui est plus que les Kloubakats, Palikosova, Maprekatia, Malekopa, là-bas. J'ai pris la bouteille, j'ai commencé à verser l'huile. J'ai dit, parce que je suis ici, je parallèle des œuvres de cette forêt sacrée. Je la sacralise maintenant au nom d'elle. 3 mois après, l'homme qui gardait la forêt est mort. Allez demander au Gabon. Tu n'as pas acclamé. Voilà pourquoi ce soir, tout sorcier qui opère dans la forêt, tout sorcier qui opère dans la mer, qui opère au Congo, qui opère à l'intérieur du pays, travaille contre tes enfants, contre ta vie, pour les parler par Yassova. Que ces sorciers meurent. Que cette sorcière meure. Au nom de... Battez les mains, commencez à parler, commencez à parler. Ressayarabasa, le calabayasa, le zouteleba, et pradelega. Lo klabaya satalabaya ha, ele satale avote le ha, elu sapaya le paya labasa, elo kaya labasa tele bayasa, he satale aba, elo zuta labaya ha, eli sepaya labasa, ekle baya ha vazuta labaya ha, elo sopaya o kaya baha. Satalabaya ha, elabaya sotalabaya, elu satayabaya ha, olo sopaya labasu, elo si safaya hado sataya, olo playa labasa, eli sapaya laba, elo sutalabaya ha, au nom de Jésus. Mets-toi. J'explique 2-3 choses, on va prier et on va clôturer. Parce que dans cette forêt-là, il y avait des acheteurs des corps, des acheteurs des membres et des âmes. Écoutez-moi, quand on parle de marchands, on parle de marchandage, on parle de négociation. Quand on parle de marchands, on parle de vendeurs, on parle d'acheteurs. Quand on parle de marchands, on parle de marché. Est-ce que vous savez qu'il y a des marchés spirituels? Il y a des lieux dans d'autres dimensions spirituelles. On négocie d'acheter quelqu'un, de vendre quelqu'un, de faire maintenant passer quelqu'un. Il y a aussi des lieux physiques ici, il y a des marchés, des supermarchés. Derrière là-bas, on ne compte pas l'argent. On vend les âmes des hommes. On vend le sang. Ce ne sont pas des banques de sang. Il y a des lieux où on vend le sang. Dans cette ville, des maisons, des hôpitaux, des lieux publics, on vend le sang. Il y a des gens qui boivent le sang. Pourquoi boire le sang? Boire le sang, c'est boire les âmes. C'est gagner en pouvoir. C'est gagner en vie. Amen. Amen. Il y a même dans l'Antiquité, dans les anciennes périodes, où il y a un film qu'on appelle Dracula. La vie éternelle est donnée à celui qui boit une certaine qualité de sang. Tu bois de ce sang-là, tu ne vas plus. Tu es entre ce monde physique et spirituel. Tes yeux spirituels sont ouverts. Tes sens sont multipliés. Toi, tu bois le sang de Jésus. Tu es un mystique. Nous sommes plus mystiques que les rosicriciens. Plus mystiques que les occultistes. Les karabazovra liese. Malakati abazova. La parase. Nous nous délivrons des occultistes. Les bradiasova la katibarase. La bragaso karabashiva.
Yes. 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 Balance la main droite que je te vois. Dis avec moi, je suis un esprit. Et tu dois savoir, il y a sur cette terre des gens qui vendent des âmes. Donc quand quelqu'un est mort là, on prend son âme, on vend, on achète. Pire, il y a des personnes qui ne sont pas encore mortes, mais leur âme a été vendue. Leurs âmes ont déjà été marchandées. Leurs âmes ont déjà été achetées. Leurs âmes ont déjà été livrées. Il est ici, mais son âme est déjà quelque part. Amen. Rapidement, je vous parle de quatre types de vente d'âme. Quatre types de vente d'âme. Le lenge minei, ya nenge batekara mile mayabatu. Premier type de vente, c'est la vente consciente. Donc quelqu'un lui-même dit, je suis là, en contrepartie de l'argent, en contrepartie du pouvoir, en contrepartie de la gloire, je viens vendre mon âme au diable. Je viens donner mon âme. Et quand quelqu'un vend son âme, c'est toujours par le canal du sang. Généralement, c'est du sang ou c'est toujours par le canal des paroles. C'est soit le sang, soit les paroles. Dis avec moi, soit le sang ou les paroles. Donc, premier type de vente, c'est la vente consciente. Je suis là, j'ai envie d'être ministre. Je vais donner de mon sang, on me donne un papier et je vais signer. Il y a ici, dans une banque qui a fermé ici, qui est allée en faillite. Ça fait des années, on a prophétisé pour ça. Une grande banque ici au boulevard. Les gens qui étaient là-bas nous disaient, homosexuel, tu donnes ton dos aux hommes, soit tu arrives à un certain niveau pour aller à un autre poste. On va voir ton parcours, ta manière de parler. Vois en esprit ton étoile. Vois la qualité de ton sang, de ton âme. On commence à te démarquer. On commence à te démarquer. Toi, tu te dis chance. Dieu m'élève. Alors que c'est eux qui sont en train de t'attirer vers eux. Et on te dit, voilà deux contrats. Le contrat que tu signes avec le bic, que tu signes avec le sang. Et quand tu acceptes de te couper, signer avec ton sang, même vivant, élevé, enrichi, tu es. Sache que quand tu gagnes de l'argent, tu perds des années de ta vie. Parce que l'argent, c'est le sang de quelqu'un. L'argent, c'est la vie. Et quand on te donne l'argent que tu gagnes parce que tu as donné ton sang, ce n'est pas l'argent de ton sang, c'est le sang des autres. La plupart des gens qui ont vendu leur âme savent trois choses. Un, le jour de leur mort, les circonstances de leur mort et des fois même l'heure de leur mort. De l'autre côté, dimension de spiritualité où quand tu es avec Jésus, Dieu te dira même les circonstances durant lesquelles tu vas mourir. Ouais. Les hommes spirituels connaissent le temps de leur mort. Même s'ils ne connaissent pas ça 10 ans avant, les grands hommes, Kenneth Hagin, Benson Idahosa, les grands hommes des héros de la foi, les hommes qui ont marché dans les grandes onctions, ils peuvent commencer à faire des choses. Maman, j'aime les bambous. Oh, je voyagerai pour faire un voyage. Vous pensez qu'elle part du long voyage. Elle voyait qu'elle allait mourir. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas avant sa mort. On ne donne que des codes. Jésus avait tout dit, Matthieu 16, n'est-ce pas? On a vu ça mardi. Après que Pierre eut dit que tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a commencé à les dire qu'il était le Christ, qu'il ne dise à personne. Il a commencé à dire les circonstances de sa mort, qui allait même être à la base de sa mort. Il a cité nommément la fonction de ces personnes. Les hommes de l'Église connaissent même la fin de leur vie. Moi, j'ai vu la fin de ma vie. Oui, moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une longue vie. Oui, oui. Ça, c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Là, moi, je veux vieillir. Moi, donc ça c'est ce que Dieu m'a dit, Joël. Tu vivras longtemps et tu finiras ta mission. Tous les grands esprits me disent, toi, au Congo,
père de ce pays. Tu vas vivre longtemps. Ta vie ne se mine pas à la porte des cieux. Tu as une mission nationale, continentale, sous-régionale, régionale, continentale, intercontinentale. Tout ce qu'on voit ici, c'est rien. C'est une petite partie de ma mission. Mais je sais que je ne mourrai pas maintenant. Donc même si je prends le poison, je bois, je ne vais nulle part. Quelqu'un peut dire amen. Ma prière, que Dieu te fasse grâce de sentir quand est-ce que tu vas partir. Donc dans les spiritualités, quand quelqu'un vend son âme consciemment, vendre son âme, c'est quoi? Je vous ai dit, l'âme a un pouvoir. Quand on va prendre ton âme, on va prendre les années de ta vie. Tout ce que potentiellement tu aurais fait durant ces années-là, ton énergie, ta force vitale, on appelle dans Proverbe ta vie précieuse. Et ta vie précieuse, tout, tu donnes. Et quelqu'un d'autre va utiliser ça. Et dans le monde spirituel, ça a une autre valeur. Il va commencer à monter, monter, monter. Toi, tu auras ce que tu as eu, mais momentanément. Parce que les 10 prochaines années, les 50 prochaines années, tu les as données à quelqu'un qui va utiliser ça. Tu as vendu ton âme au diable avec le sang. Comment on fait pour se délivrer? Ça, je vais dire ça le dernier jour. Il y a des cérémonies qu'on peut faire. Oui. Mais c'est des cas difficiles. Il y a des gens, il va quand même aller au ciel. Hein? Mais il va mourir s'il se donne à Jésus. Mais ceux qui prolongent leur vie, généralement, c'est ceux qu'on appelle les hommes qui sont comme les cachés dans le feu. Donc, Ataza secrétaire à Satan. À cause de son étoile et de son destin, Dieu peut le sortir de là et prolonge ses jours. Mais c'est des cas rares. Parce que Satan, quand tu fais un contrat avec lui, il est très sérieux. Très, très sérieux. Deuxième type de vente, c'est la vente inconsciente. Deuxième type de vente, c'est la vente piégée. Piégée, c'est aussi inconsciemment, ok? Mais je vous dirai la prochaine fois la différence entre une vente inconsciente et piégée. C'est presque pareil, mais il y a des nuances. Frère, il y a des gens qu'on a piégés. Ils ne savaient pas. Fais seulement ça. Fais seulement ça. Il a fait. Est-ce que ça n'a pas de conséquences? Invoque tel esprit. Invoque tel esprit. Et répète telle phrase en latin. Tu ne sais pas même la signification de cette phrase-là en latin. Tu la répètes. Répète-la 7 fois avant de dormir. Et puis à la fin, dis El Shaddai 1000 fois. Et tu dis El Shaddai, tu finis. Mais tu ne sais pas, la phrase-là en latin, ça voulait dire, je vous donne mon âme et je me livre à Satan. Bien, je me livre aux ombres. Je me livre aux ténèbres. Toi, tu ne sais pas, tu répètes 7 fois parce que tu veux le pouvoir. Tu veux les miracles, tu veux que l'église grandisse. Et tu ne sais pas, on t'a dit que ce n'était pas ça. Mais on t'a piégé. Et tes amis t'ont donné ça parce qu'ils veulent utiliser les jours de ta vie pour leur propre unité. C'est ce qu'on appelle la vente forcée. Ouais. Forcée. On veut t'acheter forcée. C'est là où Monamoutou, quelqu'un dort la nuit, il voit qu'on vient le prendre. Il se bat. Au nom de Jésus-Christ. Je n'irai pas. Viens. Je n'irai pas. On a beaucoup de cas comme ça. Où des gens ont été forcés la nuit. Ont été sollicités avec violence la nuit. Moi, j'ai vu Lucifer plus de 2-3 fois dans ma vie. Lucifer, je l'ai vu 3 fois. Lucifer, le fils de l'aurore. L'ange de la lumière. Lucifer. Je dis bien Lucifer. Je l'ai vu comme ça, face à face. Il m'a sollicité. Lui, ce n'était pas violent. Mais après, j'ai vu dans ses yeux que ce n'était pas Jésus. L'une des choses qui te montra que Satan, c'est Satan dans une vision cachée, ce sont ses yeux. Il peut briller, il peut te dire ce que Dieu te dit, mais regarde ses yeux, tu sentiras qu'il y a un vide, il y a des ténèbres, il y a le chaos.
Jésus, on le reconnaît. Tu sentiras l'amour, la compassion, la pureté. Autant que ça fait peur, autant que ça sécurise. Parce que l'âme d'une personne se trouve dans ses yeux. Alors, beaucoup de gens dans nos églises, dans nos familles, ont été vendus. Ou bien ils se sont vendus eux-mêmes. Beaucoup de gens sont ici, mais leur sang et leur âme sont quelque part en train de travailler pour quelqu'un. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, il n'y a rien de toi, ton cheveu, ton sang, ce qui est sorti de ton appareil génital, que quelqu'un va prendre quelque part et utiliser. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la Vierge. Celui qui a pris ton sang, même si sexuellement tu n'as pas aimé, ça ne t'a jamais marqué. Il n'a jamais été le modèle ou la référence sexuelle pour toi dans le futur. Mais celui qui a versé ton sang, si c'est quelqu'un de spirituel, il a pris une partie de toi. Est-ce que tu m'entends? Et les occultistes aiment les vierges. Combien de femmes ici ont perdu leur virginité par le viol? Par des actes sexuels hors nature, tu as perdu ta virginité. Et toi, tu te dis, c'est l'oncle qui n'était que violent. Cet oncle-là était occultiste. On l'avait exigé ça. Quand il a couché avec toi, il est parti avec. Il y a, écoutez-moi, plus de 3/4 des violeurs sur cette terre-là. Oh, Amélissa Kingamassanga, j'ai bu le vin, j'ai dormi. Ils ne font jamais ça pour le plaisir sexuel. Ils font ça parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Et ils ont pris quelque chose de toi. Là, il faut faire très attention. Tout ce qui sort de ton sexe, tu es une femme ou un homme, c'est dangereux. Tes urines, ton sang, ton spermatozoïde. Je parlais avec un pasteur d'éléments. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Parce qu'il avait quelqu'un de son église qui est un homme de pouvoir, qui est un homme dans un cabinet. Il est directeur de cabinet, mais tous ses collaborateurs sont en train de les quitter. J'ai prophétisé au pasteur sur son collaborateur qui est directeur de cabinet. J'ai dit, son problème à lui, ses collaborateurs partent parce qu'il se masturbe au bureau. Quelqu'un qui se masturbe au lieu du travail, il va chasser les gens qui sont... Demandez même aux occultistes, c'est loin spirituel. Parce que le spermatozoïde, c'est ce qu'on appelle la vie précieuse. La vie précieuse de l'homme. L'essence de la vie. L'essence de la création. C'est ce qui permet de créer un être humain. C'est ça que tu dilapides. Spirituellement, ça crée des choses. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, le spermatozoïde physique de quelqu'un peut devenir la sémence spirituelle pour donner naissance à un enfant spirituel? Hein? Il y a des femmes qui ont des bébés. Elles dorment. Elles couchent avec un mari de nuit. Elles ressentent physiquement les signes de quelqu'un qui est enceinte. L'enfant, le ventre ne gonfle pas. Mais la poitrine donne des signes. Sentir les odeurs donne des signes. Mais n'est pas enceinte physiquement. Elle dort. Elle se rêve qu'elle est enceinte. Quelques temps après, elle rêve qu'elle a accouché. Et physiquement, tous ses seins, le lait sort. Bon, comment on en dit? Tu vois, une femme qui est là, elle n'a pas couché avec un homme. Mais elle ne supporte pas des odeurs de parfum, de ceci, de cela, parce que spirituellement, tout ce qu'elle a perdu, un occultiste a pris ça. Ils ont génétiquement fait des choses spirituelles. Il y a des gens qui ont des enfants spirituellement ici. Les fils spirituels et les filles spirituelles. Tu es un père spirituel. Tu es une mère spirituelle. Mais leur père, c'est un mari de nuit. Leur mère, c'est une femme de nuit. Leur père, c'est un esprit.
occultes qui opèrent dans le monde astral. Leur mère, c'est une sorcière dans le monde astral. Et tu as des enfants. À partir d'aujourd'hui, tout certificat de mariage est brûlé par le sang de Jésus. Toute bague spirituelle que tu as sur ton doigt, qui fait que plus de 3 fois, tu as jeté ton alliance, ou même tu as jeté ta bague de fiançailles. Ça ne marche pas avec les fiancés, parce qu'il y a une bague là qui a pris toute la place et qui pousse à la bague physique. J'enlève ça au nom de Jésus. Tout certificat de naissance, tout enfant spirituel que tu as, je le tue. Toute femme de nuit, mari de nuit, je décrète l'éclat de divorce aujourd'hui au nom de Jésus. Là où ton sang était, là où tes cheveux étaient, ta salive était, ton sperme était, ton sang était, tes urines étaient, je décrète l'éclat qu'il y a une dissociation avec toi au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier quelques minutes. Dis avec moi, mon Père, ce soir, je prends autorité. Je suis né de nouveau. Né de Dieu. Né de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Laissez le micro de l'intercesseur. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare que tout le que j'ai avec le monde spirituel, par mes paroles, par mon sang, par mes urines, par ce qui est sorti de mon corps, qu'on utilise pour prendre mon âme, manipuler mon esprit, manipuler mon destin, manipuler mon étoile, consciemment ou inconsciemment, ou même j'ai été piégé. Je ne savais pas, mais j'ai bu. Je ne savais pas, mais j'ai fumé. Je ne savais pas, mais j'ai porté. Je ne savais pas, mais j'ai mis mes pieds quelque part parce que j'étais piégé. Et maintenant, on m'utilise par le feu et le sang. Je détruis cela. Battez les mains, priez. C'est parti. Au nom de Jésus, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, partout où j'ai été piégé, partout où j'ai été pris de force, partout où j'ai été piégé, je le détruis au nom de Jésus. Partout où mon urine, partout où mes productions, partout où tout ce qui est de moi est resté, je le détruis au nom de Jésus. 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 Sémence est restée partout où ma sémence est restée, partout où ma sémence est restée. Je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même en direct de prier.
vaincus à cause du sang. Pourquoi la Bible dit ça? Papa, quand on a pris ton sang, on a pris ta vie. Quand on a pris ton sang, on a pris ta vie. Les paros sava. Pourquoi les oncles ont un grand pouvoir dans le monde spirituel? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont le sang de ton père. Et ils ont un pouvoir sur toi à cause du sang que vous partagez. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quand il parle, c'est comme ton père qui a parlé. Mais je décrète et déclare, il y a un autre sang. Ah. Quelles que soient les gouttes de sang que tu as coulées, consciemment ou inconsciemment qu'on utilise, je veux même aller avec vous. Par exemple, quand on dit inconscient, la différence avec piégé. Est-ce que vous savez, un enfant qui est circoncis peut être piégé, mais il est inconscient. Il ne sait même pas. Donc, il n'est pas piégé au fait. Là, on a circoncis, là. Là, on a pris ton nombril. On a pris le lieu de ta connexion entre toi et le monde spirituel. Bakunda Mutolunawab. Où a-t-on enterré ton nombril? À partir du vendredi prochain, on va entrer en... Je vais aller cas par cas. On va aller chaque fois que ton sang a... Le sang de Jésus n'a pas coulé qu'à la croix. Vous le savez? Le sang de Jésus a coulé quand il était circoncis. Le sang de Jésus a coulé à Gethsémané. Le sang de Jésus a coulé en route, a coulé sur le bois. Et le sang de Jésus, pour la dernière fois, a coulé quand on a percé. L'eau est sortie. Le sang de Jésus n'a pas coulé une fois, plusieurs fois. Ton sang a coulé plusieurs fois. Quand on t'a rasé, quand on t'a coiffé, quand tu as les menstruations, quand tu étais né, quand on a circoncis. Il y a tellement de choses. Tellement. Quelqu'un couche avec toi, tu as tes menstruations. Tellement de choses qu'il peut prendre là. Quelqu'un m'entend? Dis avec moi, mon père, mon père. Il existe un sang plus puissant que tous les sangs. Jésus. Commence à battre les mains et à invoquer, à asperger le sang. On appelle le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion. Hôtel contre hôtel. Imprécation contre imprécation. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Au nom de... Allez, commence à acclamer très fort. C'est fait. À partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi prochain, nous sommes dans une saison de délivrance, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à te rappeler. Va rester comme ça. Dieu te rappelle une relation que tu as avec un homme, avec une femme, une parole, une pensée, un acte. Quelque chose que tu avais dit à l'université, Dieu va commencer à te rappeler. Nous sommes dans la saison de la délivrance génétique. Quelqu'un m'entend?
là où tu es, Dieu va commencer à te rappeler, même dans les rêves. Tu vas voir d'autres visages. Tu vas commencer à te penser à des choses. Ne te dis pas que c'est la nostalgie. C'est le Saint-Esprit qui remonte en surface les périodes de ta vie où des choses t'avaient été retirées. Et durant cette saison, Dieu va faire des choses terribles. Selon le calendrier juif, actuellement, c'est une période de sanctification. À partir de ce soir, frère, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas remarquer toi-même que des gens vont commencer à mourir dans votre famille. Bizarrement, les gens qui vont mourir sont à la base de la mort de plusieurs personnes. Ton amen n'est pas arrivé ici. Les gens qui vont commencer à mourir, les uns après les autres, sont ceux qui étaient derrière la mort de plusieurs innocents. Est-ce que tu sais que derrière plusieurs fausses couches se cachent plusieurs achats des âmes? Est-ce que tu sais ça? Derrière plusieurs fausses couches, des fois ce n'est pas normal. On a juste besoin d'un sang. Le sang innocent sera vengé. Tous ceux qui ont tué dans votre famille, tous ceux qui ont éliminé tes parents, je décrète et déclare comme prophète de Dieu, le Dieu des vengeances se lève. Le Dieu des vengeances se lève. Le Dieu des vengeances se lève. J'appelle le feu et j'appelle le sang. À partir de ce soir, on ne boira plus de ton sang. On ne mangera plus de ta chair. Partout une partie de ta vie était partie, je la récupère et je la remets en toi. Je la récupère, reçois cela, reprends cela, reprends cela, reprends cela, reprends cela. Je dis reprends cela au nom de Jésus. In Jesus' name. Acclame très fort. Prends une offrande là où tu es. Reste debout. Ouvre ton sac, ta poche, ouvre ton portefeuille. Vous êtes en direct ou ici? Ouvre ton sac, ta poche, ton portefeuille. Ouvre tout ce que tu as maintenant même. Dieu veut te visiter. Vous êtes en direct, vous avez été bénis par cet enseignement. Il y a des ventes, des transactions qui se font. Mais ton autel peut racheter quelque chose. Ton offrande peut racheter quelque chose. Ne viens pas déposer. Lève-toi, soulève ce que tu as apporté. Moi, je vais prier et tu vas déposer sur l'autel. Non, vois pas encore sur PayPal ou code QR. Juste tes doigts avant de cliquer sur l'envoi. Lève-toi, je vais déclarer. Mon Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous prenons ces offrandes comme des autels qui vont parler dans le monde spirituel, car l'argent c'est la vie de l'homme. Celui qui travaille des heures, il sacrifie une portion de sa vie pour l'argent. En d'autres termes, l'argent équivaut à sa vie, parce que la vie est faite du temps. Et le temps, c'est ce qu'il a investi pour avoir cet argent. Dans cet argent, c'est sa vie. Cet argent, c'est son sang. Cet argent, c'est lui. C'est le fruit de sa sueur et de ses efforts. Puisqu'ils apportent cela, que cela parle pour leurs femmes, leurs maris et leurs enfants, ainsi leur postérité. Au nom de Jésus-Christ, déposé sur l'autel, envoyez maintenant 100 euros, 200, 500, 1000, quel que soit le montant, envoyez maintenant, rapidement, maintenant. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Maintenant, envoyez, envoyez, envoyez. On voit maintenant, le code QR est là. Scan, envoie. On voit sur PayPal, on voit, parle sur ce que tu déposes. Dépose sur l'autel et déclare. 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 Arabasso, Karabashé, Larabassa, Larabassé, Arabassa, Larabassé, Karabasso, Erabassé. Labassé, Larabasso, Kadamage, Ilabasso, Kadamase, Ilamase, Karabashe, Likaraba, Orabasso, Kiyamase, Alabasse, Aramago, Elekiyama, Alabadake, Erekeneke, Inamanaso, Iramanaga, Aramanage, Osaparaki, Iramanaga, Sakaraba, Shederebe, Orabababa, Seka, Mando, Rebe, Seke. On voit en direct maintenant. Fais-le sur MPSA, RTL Money, Orange Money. Les codes passent là en bas. On voit maintenant ton offrande. Crois quelque chose, envoie ta semence, crois que Dieu fait quelque chose, dépose sur l'autel et crois que Dieu fait quelque chose ce soir. Karabasha, Karabasse, Karabasso, Karabasse,
Arabasa, Arababa, Erebebe, Shanda, Elamaso, Karababa, Shalababa. Plus mon sang, pas mon sang, pas ma vie, pas mon sang, pas ma vie, pas mon sang, pas ma vie, pas mes enfants, pas mon mari, pas ma femme, pas mon sang, pas mes enfants, mes petits-enfants, ma génétude, ma lignée, ma postérité, partout où était parti mon sang. Partout où était partie ma sueur, partout où était partie mes ongles, partout où était partie mes cheveux, partout où était partie mes paroles, consciemment ou inconsciemment, là où j'ai parlé, je mets nul et sans effet les paroles que j'ai sorties. Je suis libre, libéré, libéré. Shanda et Rababa, commence à prier. Quelque chose se passe. Kiramoso, Iramama, Cherebebe, Karababa, Sarababa, parle sur ta famille, parle sur tes enfants. Ta destinée, ça change maintenant, ça change maintenant. C'est maintenant où quelque chose se passe. Kuramale, et là-bas, so, rebanaka, iramase, leb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 
Joël Francis Tatou, le Dieu de prophètes, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu des prophètes du Congo, m'avertira, me montrera, me proviendra. Est-ce que tu le crois? Be eroko melao testan kenza menanga ala kisiote. Oko yeba, le basa, lève l'enveloppe. Même toi qui es en direct, déclare avec moi dans les cieux, sur la terre,